On va continuer notre soirée en accueillant sur cette scène quelqu'un que vous avez déjà vu plusieurs reprises, que vous devez commencer à connaître. Il est assez jeune, il a 22 ans, 23 ans peut-être, 22 encore, je te vieillis d'un an. Il travaille depuis un an d'arrache-pied au sein d'Amélie pour tous, notamment pour que vous ayez pu être 3 fois 1 million de personnes dans la rue sans aucun problème, sans aucun incident. Bon, à part qu'on n'a pas réussi, mais c'est pas grave. On était quand même 3 fois 1 million de personnes. Il est coordinateur général de l'Amélie pour tous. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Albéric Dumont. Et en fait... Ils se marièrent et achetèrent beaucoup d'enfants. Voici la conclusion des contes pour enfants que voulait nous écrire Christiane Taubira. Voilà exactement ce contre quoi nous luttons sans relâche depuis maintenant un an. Ils nous avaient promis le changement maintenant, nous avons eu le bouleversement immédiatement. Pour combattre ce bouleversement de civilisation, selon les termes mêmes utilisés par Madame le garde des Sceaux, 3 personnes se sont levées pour défendre leur conception de la famille, de l'être humain et plus largement de la société dans laquelle nous vivons. Parmi ces 3 personnes se trouvaient Frigide Barjot et Ludovine de la Rochère, que vous pouvez une nouvelle fois ici vivement remercier. Très vite rejoints par de nombreuses forces vives, très majoritairement des jeunes, nous avons monté une véritable machine de guerre, capable, grâce à ses 600 cadres et ses milliers de bénévoles, d'organiser en quelques heures des événements de grande ampleur. Manifestations régionales ou nationales, rassemblements, happening, opérations banderoles ou escargots, accueil de ministres, soirée des veilleurs, vous avez été le cauchemar du gouvernement pendant 9 mois. Malgré cela, le projet de loi infâme dénommé Mariage pour tous est devenu loi de la République. Véritable arnaque destinée à troubler le grand public, le mariage pour tous n'était pas seulement l'union de 2 hommes de même sexe, mais également l'adoption de ces mêmes couples. Du fait du principe d'égalité constitutionnelle en France, ce concept niant l'altérité, la complémentarité homme-femme, allait entraîner directement la procréation médicalement assistée, puis dans un second temps, la gestation pour autrui, les mères porteuses, via notamment la législation de l'Union européenne. Le cauchemar est devenu réalité malgré notre engagement. Les mauvaises langues diront que l'amour a triomphé de la haine et que les opposants à cette loi désormais votée devaient disparaître, retourner dans leur chaumière, qui d'ailleurs n'aurait jamais dû quitter. Mais devons-nous avoir honte? Avoir honte que l'inter-LGBT ait remporté une bataille contre l'inter-LNPT? Bon, je reconnais que celle-là est un peu douteuse, mais on la comprend au montage. Nous avons effectivement perdu une bataille, mais nous ne devons pas avoir honte. Les esprits étaient préparés depuis déjà si longtemps. En outre, vous pouvez être fiers de cette jeunesse qui s'est levée et qui ne lâchera plus jamais, notamment grâce au soutien de ces élus. Cette génération est l'avenir de notre pays, car comme le disait Bernanos, quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque les dents. Nous devons également être fiers de l'exploit historique que nous avons tous ensemble réalisé, tandis que nos gouvernants faisaient tout pour que nous ne soyons ni vus, ni entendus, et surtout pas comptés. Face à ce constat, que devient la manif pour tous, me direz-vous, et me demandent tous les journalistes à Paris. Bon. Après un été de réorganisation, nous voilà prêts à repartir à nouveau pour des mois, voire des années de défense de la famille. Après l'action, voici le temps de la réflexion, de la formation et de l'information, dont ce Grenelle de la famille est l'un des meilleurs exemples. La force d'opposition que nous sommes est également devenue force de proposition. Il est temps pour le grand feu de pacifisme et de détermination que nous sommes d'évoluer aussi vers des petits lumignons qui, par milliers, vont aller éclairer la conscience de nos concitoyens. Ça, c'est mon côté un peu romantique. À notre humble échelle, faisons comme cet ami, jeune débutante dans le milieu du cinéma, qui m'avouait hier avoir exigé la modification d'un scénario faisant l'éloge du mariage Taubira et des familles homoparentales au risque de perdre son rôle et, de facto, de briser sa carrière. Grenelle de la famille... Oui, vous pouvez l'applaudir aussi. Grenelle
Grenelle de la famille, plan Vigigender, charte des candidats aux élections municipales, plan national d'adhésion, liste éventuelle aux élections européennes et projet de nouvelle grande démonstration de voie publique, la manif pour tous ne lâche rien et vous le prouve ce soir en direct à Bordeaux. Alors par pitié, ne vous sous-estimez pas, ne sous-estimez pas votre force. Les marcheurs que vous êtes vont redevenir électeurs et ce, dès le mois de mars. Eux seront partis dans quelques mois, au pire dans quelques années, mais nous, nous serons toujours là, grâce à vous. Ils ont eu le choix entre le déshonneur et la guerre. Ils ont choisi le déshonneur, mais ils auront quand même la guerre. Ça, c'est mon côté premier. Bref, en un mot, ou plutôt en quatre mots, on ne lâche rien et rendez-vous très bientôt à Paris. Bien sûr, on retournera bientôt manifester à Paris, à Paris, enfin on l'espère, ça veut pas dire qu'on l'espère, mais on sait bien qu'on va y aller, on sait bien qu'on en tiendra un jour ou l'autre, et ensemble, évidemment, on ne lâchera rien. Bien sûr, on lâchera rien. Merci Albéric pour ce discours enthousiaste. On applaudit encore plus fort. Ça, c'est de la jeunesse. Ah, elle est belle, la jeunesse.